learn and play al'ab wa -at ata'allam hayya -e, bina Salam alaikum les enfants. J'espère que vous allez bien. On va commencer dans 30 secondes inchallah. Voilà, le temps de laisser à tout le monde le temps de s'installer, de se connecter. Voilà, il nous reste 30 secondes avant de commencer inchallah. الحمد لله شيخ محمد nous dit كي qu'on بارك الله فيك محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له « Wa ash anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd » Donc les enfants, nous continuons notre étude sur le monde des anges parce que nous avons vu ensemble l'importance de croire aux anges. Parce que le fait de croire aux anges est un pilier de la foi. C'est-à-dire, c'est une chose fondamentale pour être musulman. Si quelqu'un dit, moi les anges, je n'y crois pas. Moi les anges, je ne les ai jamais vus. Moi les anges, pour moi, ils n'existent pas. Eh ben, est-ce que cette personne peut rester musulmane? Non. Elle n'est plus musulmane. Ça veut dire que si elle n'a pas cru aux anges, c'est comme si elle n'a pas cru en Allah. C'est impossible quelqu'un qui dit, moi je crois en Allah, mais je crois pas aux anges. C'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui-même qui nous a informés de l'existence des anges. C'est pour cela que tous ceux qui vont croire en Allah, ils vont croire aux anges. Et tous ceux qui ne croient pas aux anges, ne croient pas en Allah, On a vu, on a vu aussi que le fait de croire aux anges, c'est-à-dire de croire fermement que les anges existent. Également, on avait cité de ne pas exagérer dans les anges. Est-ce que l'on va adorer des anges? Non, parce que les anges eux-mêmes adorent Allah, tabaraka wa et parce que seul Allah, ta'ala ta mérite d'être adoré. C'est Allah, azza qui nous a créé. C'est Allah, ta'ala ta qui est le seul qui mérite d'être adoré en vérité. Ensuite, nous sommes rentrés dans une première leçon, un premier chapitre qui s'intitulait Les caractéristiques et les pouvoirs des anges. Les caractéristiques et les pouvoirs qu'Allah a donné aux anges. Et dans le cours précédent, nous n'avions pas terminé cette leçon. C'est pour cela qu'aujourd'hui, InshaAllah, nous allons terminer ensemble ce premier chapitre, cette première grande leçon qui est la description des anges avec un euh, des pouvoirs qu'Allah Azza leur a donné. Alors on avait aussi expliqué qu'en arabe, les anges on les appelait Al-Malaika. Vous pouvez répéter. Al-Mala'ika. Al-Mala'ika. Très, très bien. Également, un ange en arabe, on dit Malak. Malak, c'est un ange. Al-Mala'ika, ce sont les anges. Alors, nous allons résumer très brièvement, très rapidement. Ce que l'on a vu, parce que aujourd'hui on doit terminer ensemble ce premier chapitre. Donc on avait cité que les anges étaient créés, ils ont été créés à partir de lumière. On a cité que les anges, ils ont été créés avant les êtres humains, bien avant les, les êtres humains. On avait cité que d'une manière générale, l'être humain n'est pas capable, n'a pas la capacité de voir les anges. Mais on a dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a vu, vu l'ange Jibril alayhi salam dans sa vraie forme à deux reprises. Également, on a vu que les anges étaient des créatures d'Allah. Ils ont été créés par Allah comme nous. On a été créé par Allah Ta'ala ta mais nous avions évoqué l'immensité de leurs créatures l'immensité des anges également on avait vu que l'ange Jibril alayhi salam était très grand et qu'il possédait plus de 600 ailes et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu l'ange Jibril dans sa forme originelle, dans sa vraie forme, il avait plus de 600 ailes, et sur chacune de ses ailes, des choses multicolores, des diamants, des perles précieuses, toutes ces choses-là tombaient de ses ailes. C'est-à-dire qu'il est très grand. Et il est magnifique, l'ange Jibril, alayhi salam. Et on avait cité une règle, c'est que d'une manière générale, les anges sont beaux. Nous savons que les anges sont beaux, comme nous savons que les chayatines, les démons, ils sont laids, ils sont moches, ils sont horribles. Même qu'on n'a jamais vu un ange, mais je sais qu'ils sont beaux. On n'a jamais vu un diable, mais on sait qu'ils sont moches. Voilà la règle. Ensuite, nous avions... Euh, décrit l'immensité physique des de certains anges, notamment Hamalatul Arj, les anges qui portent le trône d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et souvenez-vous, et tous les enfants que j'ai rencontrés cette semaine et qui ont écouté le cours, ils m'ont parlé de ce hadith. Ils ont retenu ce hadith où le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam il dit il m'a été permis de vous parler d'un des anges d'allah parmi les anges qui portent le trône d'allah entre le pavillon de son oreille c'est à dire le, le la, la lobe de l'oreille le, le bout de l'oreille et son, et son épaule la distance entre les deux elle est équivalente à 700 ans de marche, à 700 ans de marche, ou même, dans une autre version, à 700 ans à vol d'oiseau. C'est-à-dire, si un oiseau, il partirait du bout de l'oreille de cet ange, le temps qu'il arrivera, le temps qu'il mettra pour arriver à son épaule, il va falloir 700 ans. Donc là on voit à quel point Allah Azza wa a donné, a donné une, une capacité, une grandeur, une immensité à cette créature qui est, qui est les anges. Et également, dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il m'a été permis de vous parler de l'un des anges qui porte le trône d'Allah. Ses pieds sont tout en bas de la terre. Le trône est sur sa corne. Et entre le bout de son oreille et son épaule, il y a 700 ans, et ali, à vol d'oiseau. Et cet ange, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah. Il dit, Subhanallah, gloire et pureté à Allah, n'importe où tu te trouves. Ensuite, on a cité que les anges avaient des ailes, que certains anges ont deux ailes, d'autres ont trois ailes, d'autres ont quatre ailes, d'autres en ont plus, et d'autres comme l'ange alayhi salam ont 600 ailes. Et ensuite, on a cité bien d'autres choses. Donc, celui qui n'a pas assisté, celui ou celle qui n'a pas assisté au premier cours, il peut revenir sur notre site internet. Ils vont euh, écouter, ils vont pouvoir écouter et trouver le, le premier. Le premier cours. À présent, nous continuons notre étude ensemble. Ensemble, nous allons continuer notre étude sur le monde des anges, sur le fait de connaître les anges. Alors, sachez, les enfants, que les anges, ils ne sont pas tous pareils. C'est-à-dire qu'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, a donner une capacité physique à certains anges qu'il n'a pas donné à d'autres. Comme on a cité, certains ont deux ailes, d'autres ont trois ailes, d'autres ont quatre ailes, d'autres en ont six cents, comme l'ange Gabriel salam, etc. Également au niveau de leur place auprès d'Allah. C'est comme les êtres humains. Est-ce que les êtres humains, ils sont tous, ils ont tous le même rang? auprès d'Allah. Non. Les prophètes, ce sont les meilleurs des êtres humains. Et le meilleur des prophètes, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et après les prophètes, les meilleurs des êtres humains, c'est les compagnons des prophètes. Et les meilleurs des compagnons des prophètes, c'est les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur des compagnons du prophète, c'est Abu Bakr al-Siddiq, ensuite c'est Umar ibn al-Khattab al farouq ensuite c'est Uthman ibn Affan d'un Nourayn, et ensuite c'est Ali ibn Abi Talib Et etc., etc., et eh bien, parmi les anges, on trouve la même chose. Que le meilleur des anges, c'est l'ange Jibril, alayhi salam. Et également, parmi les anges, les meilleurs des anges, c'est qui C'est les anges qui ont assisté à la bataille de Badar. Oh, qui c'est ce que c'est que la bataille de Badar. Et là, les enfants, je vous incite ce week-end, demain, Inch'Allah, vous cherchez à la maison si vous avez des livres ou vous demandez à vos parents de vous les expliquer ou d'écouter un cours sur la bataille de Badar afin de connaître et de comprendre cette bataille, cette bataille qui a duré, qui, qui, a été, qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan à la deuxième année de l'égir de l'Hijra, où le prophète sallallahu alayhi wa a voulu intercepter une caravane où il y avait, qui était tenue par Abou Sufyan, où il y avait plus de mille chameaux, et beaucoup d'argent mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti avec 300 compagnons environ 300 certains disent qu'il y en avait 313 exactement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les musulmans ils n'étaient pas préparés pour une bataille mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que la bataille de Badr eût lieu à ce moment-là. Et les musulmans étaient un petit nombre comparé à l'armée des Quraysh, mais vous savez, Allah Ta'ala ta a révélé dans le Coran qu'il a envoyé des anges. Allah a envoyé des anges sur terre afin de défendre, afin de combattre avec les compagnons du prophète Mohammed et avec le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ben les meilleurs des anges, ce sont ceux qui sont descendus et qui ont combattu à la bataille de Badr. Comme parmi les meilleurs des compagnons, il y a ceux qui ont combattu lors de la bataille de Badr. Un jour, un homme, un homme, un jour, pardon, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Il lui a dit Comment Situez-vous comment situez-vous les gens de Badar parmi vous Alors il a dit les gens qui ont participé à la bataille de Badar, les musulmans qui ont participé à la bataille de Badar sont parmi les meilleurs des musulmans. Alors Jibril, alayhi salam il a dit la même chose pour les anges. Les anges qui ont assisté à la bataille de Badar, qui ont aidé, qui ont combattu les Quraysh, qui ont aidé les musulmans. Ils font partie des meilleurs des anges. Également, parmi les choses que l'on peut dire concernant les anges, et là je vous pose une question, chacun essaye de trouver la réponse et ensuite je vous la donnerai. Est-ce que les anges sont des garçons ou est-ce que les anges sont des filles Alors ici là j'ai des enfants en face de moi qui disent des garçons. Alors on verra qui pense que c'est des filles. Alors écoutez la réponse, ce ne sont ni des garçons et ni des filles. Les anges ce ne sont pas des êtres humains. Les anges, ce ne sont pas comme nous, il y a des garçons et il y a des filles. On ne peut pas dire que les anges sont des garçons, comme on ne peut pas dire que les anges sont, sont des filles. Parce que Allah wa ta a créé cette créatures qui sont les anges avec leurs caractéristiques. Et les arabes, les arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit Ils ont dit que les anges, c'était les filles d'Allah. Et ils ont dit qu'Allah il avait des filles. Et ils ont dit que les filles d'Allah c'étaient les anges. Et ça c'est une parole très très grave. Tout comme les chrétiens disent que Isa le prophète Isa c'est le fils d'Allah. Mais nous les musulmans, nous les musulmans que disons-nous? Nous disons Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est pas attribué d'enfant Allah azza wa il n'a pas d'enfant c'est pour cela que lorsque les moucherikoun lorsque les associateurs sont venus voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit siflana rabbak décris nous ton seigneur qui est Allah Allah Azza wa a révélé, « dit Allah Allahu ahad »« il est Allah l'unique »« Allahu samad »« Allah, le seul qui mérite d'être imploré » Toutes les créatures, lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, c'est vers Allah Azza wa qu'elles se tournent. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala il dit Allah wa ta'ala il n'a pas d'enfant. Et Allah azza wa il n'a pas de parents. Allah tabaraka wa ta'ala il n'a pas de frères et de sœurs. Donc les deux tantes, Allah tabaraka wa ta'ala il n'est pas comme ces créatures, il n'y a rien qui lui ressemble. Allah tabaraka il n'y a rien qui ressemble à Allah Azza wa Il est le premier et il est le dernier. Personne n'a créé Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala ne sait pas, ne, sait, ne sait pas attribuer des enfants? Parce qu'automatiquement un enfant, il va ressembler à ses parents. Soit il ressemble à son papa, soit il ressemble à sa maman, soit il ressemble, soit physiquement, soit dans le caractère, soit dans la manière de parler. Peu importe, il y a une ressemblance parce que l'enfant est une partie du, du parent. Mais Allah, tabaraka wa il n'y a rien qui lui ressemble. Donc Allah, il n'a pas de frère, pas de soeur. Allah, azza wa jani, il n'a pas de... De, Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas besoin de se marier. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas besoin d'enfants. Subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui le Très-Haut. Donc, ce que disaient les moucherikounes dans le fait de dire qu'Allah a des filles, c'est une parole très grave. La même chose, le fait de dire que Isa salam est le fils d'Allah. Nous, nous aimons Isa. On aime Isa comme on aime les anges. On aime Isa, alayhi salam, et on aime les anges. Mais, nous sommes certains que Isa, alayhi salam, est un messager d'Allah. C'est un prophète. C'est un être humain. Et il n'est pas le fils d'Allah. Et nous aimons les anges, et nous croyons sincèrement leur existence, mais nous sommes certains que les anges ne sont pas les filles d'Allah. Et en plus, vous savez que les arabes, ils ont dit que les anges c'était les filles d'Allah, mais vous savez que les arabes, ils détestaient les filles. Les arabes, lorsque leur femme était enceinte, et lorsqu'elle accouchait d'une fille, leur visage devenait noir de colère. Jusqu'à ce que certains, ils tuaient les petites filles. Certains, ils les tuaient à la naissance, et d'autres, ils attendaient même qu'elles grandissent. Cinq ans, six ans. Il lui mettait une belle robe. Il la rendait belle. Il lui disait Viens, on va promener. Il creusait un trou. Il lui disait Regarde dans ce trou. Et il la poussait. Et il l'enterrait comme ça. Les Arabes étaient méchants, très méchants avec les filles. Et ils ont osé dire qu'Allah s'est attribué des filles, alors qu'eux-mêmes n'aimaient pas les filles. Donc on voit les enfants et leur retenez que l'islam, le Coran, la Sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus pour préserver les honneurs. Et là, je m'adresse aux filles, toutes les filles. Vous devez savoir à quel point Allah Tabaraka Wa Ta'ala vous a donné des bienfaits. Vous devez savoir à quel point le Prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de bien se comporter envers les filles, de bien se comporter envers les femmes, envers les sœurs, envers les mères. Sachez qu'Allah vous a donné une place importante. Et ne croyez pas ceux qui disent que les musulmans, ils n'aiment pas les filles. Ceux qui disent que les musulmans, ils ne respectent pas les filles. Bien au contraire. Pour nous, pour le musulman, la fille, c'est comme une perle précieuse. Une perle qui est dans sa coquille. Je dois la préserver. Je dois l'aider je dois la protéger D'accord les enfants Également parmi les choses que l'on peut dire c'est que les anges ne mangent pas et ne boivent pas Les anges ils n'ont pas besoin de manger Et les anges ils n'ont pas besoin de de boire parce que l'être humain même le djinn comme les animaux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, parce qu'Allah Il nous a créés comme cela. Nous sommes faibles. Si on mange pas, si on boit pas, ça y est, on commence à avoir mal à la tête, mal au ventre, on devient faible, on a chaud, on n'arrive plus à bouger, etc., etc., etc. Alors que les anges non. Les anges, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de de boire. Et ça, les enfants parmi les textes qui nous prouvent que les anges n'ont pas besoin de manger et n'ont pas besoin de boire, c'est quoi C'est ce qu'Allah wa Ta'ala nous a révélé dans le Coran. Allah Azza wa Jalil dit T'est-il parvenu le récit des invités ce qu'ils ont rendu visite au prophète Ibrahim. alayhi Lorsqu'ils sont entrés chez lui, ils ont dit salama. Ils lui ont dit salama. Ils lui ont dit assalamu alaykum. Qala salamu kaumun Qu'est-ce qu'il leur a, a, a répondu? Le prophète Ibrahim a.s. Il leur a dit que le salam soit sur vous, ô visiteurs inconnus. Imaginez cette scène, les enfants. Le prophète Ibrahim a.s. Il a reçu des visiteurs qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas dit, ah non, je ne les connais pas, je les laisse dehors. Non. Vous savez ce qu'il a fait le prophète Ibrahim alayhi salam ilayhim Il leur a préparé à manger. Il est parti discrètement à sa famille et il leur a il est euh, le verset d'avant. Il est parti voir sa famille et discrètement il leur a apporté un veau, un grand veau, pour qu'il, pour qu'il mange pour les inviter. Alors qu'il ne savait pas qui étaient ces ses invités. Et est-ce que vous savez, c'était qui ces invités C'était trois. Trois anges. Mais Ibrahim, il ne savait pas qui étaient. C'était trois anges. Le premier, c'était Jibril. Le deuxième, c'était Mikaïl Et le troisième, c'est Israfil. Et lorsqu'ils sont venus, lorsqu'ils sont venus, le prophète Ibrahim. « Leur a choisi le meilleur veau. » Vous savez c'est quoi un veau Un veau, le bébé de la vache, c'est très bon. « Et il leur a choisi le meilleur veau et il leur a servi à manger. <t> »« <'en> Mais ils n'ont pas voulu manger. »« Ils n'ont pas voulu toucher. » Pourquoi Parce que les anges, ils n'ont pas besoin de manger. Les anges, ils n'ont pas besoin de nourriture. Alors lorsque Ibrahim a vu cela, il a commencé à avoir peur. Il a eu peur. Il a dit, mais c'est qui Ces gens qui, parce que lui, il croyait que c'était des êtres humains. C'est qui ces gens qui viennent, qui ne mangent pas, qui n'ont pas besoin de nourriture Et ensuite, ils lui ont annoncé. Ils lui ont dit, ils lui ont dit qu'ils étaient des messagers d'Allah. Et ils venaient pour deux choses. Ils lui ont annoncé la naissance de son fils Isha. Ils lui ont annoncé la naissance de son fils Ishaq. Et également, ils lui ont annoncé qu'il venait pour détruire le peuple de Lot, le prophète Lot, qui était de la famille du prophète Ibrahim. Alayhi salam. Alors, les anges lui ont, lui ont, euh, informé de de cette nouvelle. Donc là on voit dans cette histoire, on voit à partir de cette histoire que le prophète que les anges n'ont pas besoin de manger et ils n'ont pas besoin de de boire. Également les anges à partir des versets et d'autres versets, notamment le verset dans qui parle de cette histoire, les, les, nos savants nous ont expliqué que les anges n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de boire et ils n'ont pas besoin de se marier. Les anges n'ont pas besoin d de se marier. Également, les anges, ils ne s'ennuient jamais et ils ne se fatiguent jamais. Les anges ne s'ennuient jamais et ils ne se fatiguent jamais. Ben, Qu'est-ce qu'ils font alors les anges Que font les anges Ils adorent Allah, Tabaraka Wa Ta'ala. Ils adorent Allah, Tabaraka Wa Ta'ala. Ils exécutent les ordres d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ils ne s'épuisent jamais, ils ne s'ennuient jamais, les anges ne sont jamais touchés parce que les êtres humains sont touchés. C'est pour cela qu'Allah wa la Les anges, il glorifient Allah nuit et jour sans relâche. Ils ne se fatiguent jamais. Il ne se fatigue jamais. Ensuite, parmi les choses importantes à savoir, où habitent les anges Sachez que les anges habitent dans le ciel. Les anges habitent dans le ciel. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka ta il nous dit. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur, depuis leur fête. C'est-à-dire que le ciel, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Le ciel a craqué. Et il est en droit de se craquer tellement les anges peuplent le ciel. Comme Allah Azza wa dit à la suite de ce verset dans la sourate numéro 42, le verset numéro 5, Allah Azza wa Jalil dit, Les anges glorifient leur Seigneur ils célèbrent ses louanges. Ils implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Et le prophète, lorsqu'il nous informe que le ciel a craqué, il n'y a pas, mettez votre main comme ça, en faisant le 4, le chiffre 4. Le prophète, alayhi wasalam, il met sa main comme ça et il dit, il n'y a pas un endroit comme ceci, sans qu'un, dans le ciel, sans qu'un ange n'adore pas Allah. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont prosternés, il y a des anges qui sont inclinés, et toute leur vie, jusqu'au jour de la résurrection, ils seront comme cela. Ils obéissent à l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, les anges descendent sur terre. C'est possible que les anges descendent sur terre. Et cela lorsqu'Allah leur ordonne. Pour accomplir des missions qu'Allah leur a chargées. Également, les anges descendent énormément. Ils multiplient cela dans des situations particulières telles que Laylatul Qadr, la nuit d'Al Qadr dans la nuit al les anges descendent ainsi que l'ange jibril ils descendent sur terre sachez aussi et on va bientôt terminer inshallah sachez les enfants que les anges il y a des milliards et des milliards et des milliards d'anges il y a énormément d'anges. Le monde des anges est considérable. Et seul Allah, Tabaraka wa Ta'ala, sait combien d'anges il y a. Nous, 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 de, nous, nous, nous devons savoir qu'il y a énormément d'anges. Il y a énormément d'anges. Et on va simplement donner. Quelques exemples afin que vous compreniez à quel point Allah Ta'ala a créé énormément d'anges. On va parler de Beytul Ma'amour. Répétez. Beitul El Ma'amour. Beitul El Ma'amour. Beytul Ma'amour. Beitul mamour ça veut dire la maison peuplée veut le Ammar, peuplée il y a beaucoup de beaucoup 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 d'anges dans cette maison alors cette maison c'est une maison qui est au-dessus du septième ciel elle est au-dessus de la Kaaba ça veut dire que si imaginons que cette maison elle tombe elle va tomber sur quoi sur la Kaaba. C'est-à-dire que lorsque tu vois la Kaaba, tu dois savoir que au-dessus de la Kaaba, au septième ciel, au-dessus du septième ciel, il y a cette maison. Cette maison où chaque jour, 70 mille anges entrent dans cette maison. Ils entrent dans cette maison. Ensuite, ils ressortent. Et ils, le rend, ils ne reviendront plus jamais dans cette maison. Ça veut dire que chaque jour, c'est 70 000 nouveaux anges qui rentrent. Aujourd'hui 70 000. Demain 70 000. Après-demain 70 000. Des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. Et ça depuis qu'Allah a créé Baitul Ma'amour jusqu'au jour de la résurrection. Donc imaginez le nombre d'anges, c'est innombrable. On ne pourrait même pas, on n'arriverait même pas nous en réalité à s'imaginer. Ça veut dire que par rapport aux êtres humains, les êtres humains, les êtres humains ils ne sont pas beaucoup par rapport aux anges. Également. également, Allah, tabaraka, wa ta'ala, il dit, wa bi jahannam. Et ce jour-là, on fera venir l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer, l'enfer, il viendra. Au jour de la résurrection, il sera tiré. Soixante dix mille cordes, et sur chaque corde il y aura soixante dix mille anges. Ça veut dire que l'enfer il sera celui qui arrive à faire soixante mille multiplié par 70 mille, ça fait quarante-neuf millions d'anges. Il y a quarante-neuf millions d'anges qui vont tirer, qui vont tirer l'enfer. Ensuite, les noms des anges. On ne connaît pas, bien sûr, le nom de tous les anges, mais on connaît le nom de certains des anges. D'accord? Certains parmi les anges. Alors, parmi ceux qu'on connaît, l'ange Jibril, l'ange Michael, l'ange Israfil. Donc, les trois anges que l'on a cités tout à l'heure, ceux qui sont venus, ceux qui sont venus, euh, visiter Ibrahim. Donc l'ange Gabriel, il s'occupe de la révélation. Lorsqu'Allah azawajal doit révéler le message, il donne l'intermédiaire à l'ange Gabriel qui va transmettre le message au prophète. L'ange Michael qui s'occupe du temps, du vent. Lorsqu'Allah azawajal ordonne qu'il va pleuvoir, l'ange Michael euh, l'ange Michael, l'ange il va faire des, il, il va ordonner à la pluie de descendre ici, de descendre là, de faire pousser telle plante. Il va ordonner au vent de faire ceci, de faire cela. Ça c'est la mission qu'Allah Azawajel lui a chargé, lui a donné. L'ange Israfil, l'ange qui va souffler dans la trompe. Quand il va souffler dans la trompe, tout ce qui est sur la terre va disparaître. Également l'ange Malik, Malik. C'est l'ange qui garde l'enfer. C'est l'ange qui garde l'enfer. Également, certains savants nous ont parlé de l'ange Redouane. Ils nous ont parlé de l'ange Redouane. Ils ont dit que c'était le gardien du paradis. Mais ici, certains savants considèrent... Que cela n'est pas authentique. Donc, nous, on apprend simplement son nom, mais on ne croit pas réellement et, for et formellement qu'il est le gardien du paradis. Également, Nakir et Munkir, Nakir et Munkar, ou Munkir et Nakir, ces deux anges noirs avec des yeux bleus qui descendront dans la tombe lorsque la personne va mourir et ils lui poseront trois questions quel est le Seigneur que tu as adoré ?» Et le croyant, il répondra « Mon Seigneur est Allah, le Seigneur que j'ai adoré, c'est Allah. »« Quelle est la religion que tu as suivie ?»« La religion que j'ai suivie, c'est l'Islam. »« Quel est le prophète que tu as suivi ?»« C'est le prophète Muhammad. sallallahu alayhi wa Et si le croyant répond à ces questions, sa tombe se transformera en jardin parmi les jardins du paradis. Également parmi les anges que l'on peut citer Harout et Marout, répétez Harout et Marout, ce sont deux anges qu'Allah a envoyés sur terre pour éprouver, pour éprouver les les gens, etc. Et il y a encore d'autres noms que euh, certains ont cités, mais nous nous avons cité les noms les plus authentiques. Ensuite, est-ce que les anges meurent Ça c'est une question aussi importante. importante. Alors, bien sûr, les anges, ils meurent. Comme les êtres humains et les djinns, les anges, ils meurent, puisqu'Allah Azza nous explique que tout ce qui est sur la terre va disparaître. Donc, nous, on sait qu'ils vont mourir lorsque l'ange Israfil va souffler dans la trompe. Maintenant, est-ce qu'ils meurent en dehors de cela On n'a pas de texte précis. Parce que nous, les musulmans, tout ce que l'on affirme, ils font un texte du Quran. Ou des hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sinon on ne sait pas Donc voilà les enfants Pour le cours d'aujourd'hui J'espère qu'il vous a été Profitable, bon il a été un petit Peu plus long que d'habitude Je m'en excuse, généralement J'essaye de faire 30 minutes Mais euh, Je voulais absolument terminer ce chapitre Aujourd'hui et au Prochain cours, inshallah Nous verrons Comment sont les caractéristiques morales des anges? On verra qu'ils sont généreux, qu'ils sont vertueux, qu'ils sont pudiques. On verra qu'ils peuvent s'incarner en être humain, etc. On verra bien d'autres choses, inshallah, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur les anges. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabi'ina Muhammad wa ala alihi. وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين